Alors, comment a germé l'idée de faire une bande dessinée sur Alexandre Jacob? En fait, on a déjà fait un album chez Rue de Sèvres, en fait, qui s'appelait Julio Popper, et qui était une biographie d'un personnage qui était très peu connu du grand public, mais qui avait eu un destin, qui a eu un destin extraordinaire, en fait. Donc, on avait cette idée-là, on en a fait un premier chez Rue de Sèvres, et l'idée, c'était d'en proposer plusieurs, en fait, et de faire, voilà, de parcourir plusieurs thématiques, plusieurs territoires géographiques, et qui est plusieurs... En fait, à chaque fois, il fallait aussi qu'il y ait un lien avec notre vie à nous aujourd'hui, en fait. Donc, il fallait que ce soit en lien avec une problématique qui est actuelle, en fait. Et donc, le premier, c'était sur la liberté d'entreprendre, sur comment est-ce qu'on fait pour n'écouter finalement que ce qu'on veut faire et comment est-ce qu'on n'écoute pas les autres pour faire ce qu'on veut. Et celui-là, en fait, c'était sur la détermination d'un homme du début à la fin de sa vie, quoi. Et donc l'idée, voilà, en fait, on avait plusieurs, avec Mats, le scénariste, on avait plusieurs personnages en tête, en fait. Et puis on s'est fait donc une shortlist et au final, on s'est dit que celui-là, c'était le bon et que c'était maintenant qu'il fallait le faire. Et on est parti là-dessus pour ça. La collaboration avec Mats, du coup, lui me fournit un scénario. Donc c'est un script très détaillé où il y a donc la mise en situation, les dialogues. Il me prépare un découpage, en fait, page par page, case après case, sans aucun élément visuel, en fait. Et moi, je pars de ça et pour fabriquer un storyboard, en fait. Et après, je lui montre le storyboard. Lui rebondit sur le storyboard et en fait on échange comme ça. Moi, si j'ai quelque chose qui me convient pas sur le scénario, je lui en parle. Et lui, s'il y a quelque chose qui lui convient pas sur le storyboard ou sur les planches définitives, même à la fin, il m'en parle aussi. Et pour qu'en fait, au final, on soit complètement raccord une fois l'album terminé, quoi. Non, moi, c'est assez linéaire. En fait, Mats me fournit par chapitre, en fait. Ici, on a chapitré le récit, là, parce que c'est assez long. Et ça se prêtait bien en fait à un chapitrage pour les différentes grandes époques de la vie du personnage. Et donc il me fournissait par chapitre et moi je travaillais par chapitre. C'est-à-dire que je faisais le storyboard pour tout un chapitre. Ensuite, j'ai fait tout le storyboard d'un coup en fait d'abord. Parce que c'est important d'avoir toute l'histoire complète et qu'elle puisse être lue comme une bande dessinée à l'état de brouillon, mais qu'elle puisse être lue complètement avant d'attaquer les planches définitives. Et donc ensuite, pour les planches finales, celles qui sont scannées ensuite et mises pour fabriquer le livre, je travaillais par chapitre, c'est-à-dire que je faisais l'ancrage d'abord d'une série. Les chapitres font à peu près 20-25 pages, donc j'en crée toute une série, tout un chapitre. Ensuite, je passais à la couleur et voilà, c'était par chapitre. Oui, elle est parue au moment où on était en train de faire... Je sais plus, je crois que c'est... On était en train de faire... Moi, j'étais en train de faire le storyboard, il me semble, au moment où elle est parue. Et voilà, oui, j'ai lu, du coup, ouais. Et l'histoire... Nous, notre histoire était déjà figée, donc on n'a pas... Voilà, et puis en fait, on n'est pas tellement dans le même registre, quoi. C'est-à-dire qu'eux sont beaucoup plus romans graphiques et le trait ne ressemble pas du tout au nôtre. Et puis le mode de narration n'est pas le même non plus. Et puis la période historique qui couvre, en fait, n'est pas la même. Nous, on va jusqu'à la mort du personnage, en fait. Enfin, le principe de cette série, en fait, qu'on fait chez Rue de Sèvres, donc Popper et celui-là maintenant, c'est qu'on couvre, en fait, toute la vie du personnage, de sa naissance jusqu'à sa mort. Et donc par contre, il me semble que la BD qui était parue chez Sarbacane n'allait pas jusqu'au décès du personnage. Tout à fait, oui, je vais adapter la pièce de théâtre, une pièce de théâtre qui s'appelle Edmond, qui a été écrite par Alexis Michalik, qui a eu 5 Molières. Et donc ça s'appelle Edmond parce que ça raconte de manière très romancée comment est-ce que Edmond Rostand a écrit Cyrano de Bergerac. Et pour vous raconter l'histoire très très brièvement, c'est à l'époque, donc ça se passe en 1890, et à cette époque-là, Edmond Rostand n'est pas connu du tout. Il n'a fait que des fours, des pièces qui n'ont pas du tout marché, très compliquées, en verre, où personne n'allait assister à ses pièces, tout ça, donc ça ne marchait pas bien du tout, il n'avait pas d'argent. Et par un hasard, un concours de circonstances, il rencontre Coquelin, un acteur très connu à l'époque, qui était un petit peu le Depardieu de l'époque. Et Coquelin, lui, de son côté, a un théâtre, qui doit remplir ce théâtre en fait avec une pièce qui doit être prête pour dans 3 semaines en fait. Donc il a besoin urgemment d'une nouvelle pièce. Et donc il demande à Rostand d'écrire une nouvelle pièce très très rapidement et voilà. Et donc ce sera Cyrano de Bergerac. Et tout le principe de là, c'est une course effrénée en fait jusqu'à la première.
qui raconte en fait avec les... C'est assez humoristique, frontalement humoristique. Et ça raconte en fait tous les événements, les accidents de la vie de Rostand entre le moment où Coquelin lui propose et le moment de la première, qui vont fabriquer en fait la pièce et toutes les grandes scènes de Cyrano de Bergerac qu'on connaît, donc le balcon, le couvent à la fin, le siège d'Arras, enfin tous les grands chapitres de Cyrano. En fait, la première page d'une BD, c'est une des... Après la couverture, en fait, c'est très important. Il faut que le lecteur rentre tout de suite dans l'histoire. Il faut que ce soit à la fois facile de rentrer dans l'histoire, que ce soit prenant, en fait, et qu'on rentre tout de suite dans la narration. Et là, en fait, la particularité de cette planche, en fait, c'est que... Donc, ça démarre par le procès de Jacob, où il y a énormément de monde dans la salle. Jacob est enchaîné, il est menotté, et le juge essaie de... Jacob n'est pas du tout impressionné, en fait, et le juge essaie de le déstabiliser, s'énerve, en fait, et il fallait que je trouve un moyen, en fait, de raconter, de représenter ça, en fait, autrement que par le dialogue. Et donc, en fait, la méthode que j'ai trouvée, c'est que... Donc, déjà, pour que le lecteur rentre dans l'histoire, souvent, ce qui est intéressant, c'est de démarrer par une grande case, en fait, de situation, on puisse avoir un décor dans lequel on sait que ça se passe ici, pour la suite de la scène. Et ensuite, là, la particularité de cette scène, c'est que j'ai essayé de représenter le juge comme un roquet qui tourne autour de Jacob. C'est-à-dire que le juge est enfermé dans les cases, et il est représenté une fois, deux fois, trois fois, et il est enfermé, en fait, dans sa logique. Et Jacob, lui, est hors case, c'est-à-dire qu'il est par-dessus la planche, et il est en fait représenté une seule fois, et le juge lui tourne autour au fil des cases. Et à chaque fois, le regard du juge se dirige vers la dernière case, en fait. Donc, au niveau... Il n'y a que la BD, en fait, qui peut permettre ça. C'est-à-dire que le lecteur, normalement, si c'est bien fait, le lecteur ne réfléchit pas à ses... Voilà, ne réfléchit pas à ça. Il voit le juge en train de regarder Jacob dans une autre case. Voilà, donc, c'est pas très logique. Ça peut être fait qu'en bande dessinée, quoi. Et voilà. Et donc là, il tourne autour du personnage. Et à la fin, donc, on a la page qui se termine avec Jacob qui est tout à fait serein, qui n'est pas du tout impressionné par le manège du juge qui lui tourne autour. Et voilà. Et je trouvais que c'était intéressant de démarrer comme ça pour tout de suite asseoir la psychologie du personnage et montrer que ça ne lui fait pas peur et qu'il va se défendre.